Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Pionnière DJ. Je suis accompagné, une fois n'est pas coutume, d'Antonin. Comment ça va? Super bien, Mathieu. On est parti pour 1h15, 1h30 de live où on va décrire évidemment l'Opus Quad. Donc on l'a bien sûr avec nous et on va détailler ensemble son grand écran, ses gros jogs, l'ergonomie générale et puis on va parler un petit peu de l'esthétique, etc. Pour commencer, on va parler à qui c'est destiné, la Voilà, cible. à qui se destine ce produit? Donc, avant qu'on commence tout de suite le live, n'oubliez pas, n'hésitez pas à poser vos questions sur le live depuis l'un DJ France. C'est là où je vais pouvoir vous répondre. On va pouvoir vous répondre en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si je ne peux pas répondre à tout, n'hésitez pas à me faire un message privé sur Instagram qui s'affiche ou sur l'opinion DJ France Facebook et j'essaierai d'y répondre le plus possible, le plus rapidement dans la semaine. Vous doutez bien qu'aujourd'hui, il y a des centaines de messages. On va décortiquer un peu notre 1 heure, 1 heure et quart de démonstration sur l'Opus Quad. N'hésitez pas à poser les questions, on interviendra à n'importe quel moment. On a Voilà. un modérateur qui s'occupe de récupérer les questions, à qui on dit bonjour quand même. Bonjour modérateur. Bonjour Benoît. Il s'appelle Benoît. Il va s'occuper de tout ça, surtout de gérer les crédits en ligne. Donc voilà, on va supprimer quelques posts en direct. Donc on est parti. Alors vous avez donc tous dû voir l'annonce de l'Opus Quad aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans tous les différents sites d'information. Pioneer DJ arrive avec un produit un peu différent, voire même très différent au niveau de l'ergonomie. Et justement, bah, on va voir à quelle cible, pour quel DJ, dans quelles conditions, quel type de prestation ce produit s'adresse. Donc on est vraiment sur un produit luxe. Alors c'est difficile de le voir en photo ou même en vidéo. On va essayer de vous rendre compte au maximum le produit. On va vous faire des zooms avec la caméra de près, etc. Donc le produit est quand même très imposant. Il faut savoir que ça fait à peu près 1 mètre de large sur 50 cm de profondeur. On a une légère inclinaison, on y reviendra tout à l'heure. On a des gros jogs de type CDJ2000 Lexus 2, donc des jogs mécaniques. Voilà, donc on voit vraiment un design très différent de ce qu'on est habitué de la gamme XDJ, CDJ, etc. Mais justement, cette ergonomie, on va voir que tout a été pensé pour faire un produit luxe, élégant, qui se décide, on va dire, qui se destine à des prestations de type mariage haut de gamme, hôtel, rooftop, voilà, tout ce qui est événement, on va dire, DJ de luxe. On a beaucoup plus de DJ dans des défilés de mode, sur des prestations, on va dire, privées et pas forcément où c'est du gros club, on va dire, ou du gros festival. Donc ce produit s'oriente vers ça. C'est vrai que quand on a reçu le produit un petit peu en avance, quand on a ouvert le carton, on était un petit peu dérouté, effectivement, comme les gens ont été un peu déroutés sur les réseaux, de savoir, c'est pas dans les habitudes de Pionnière de sortir un produit si novateur avec des formes si, on va dire, moins, on va dire, standard. Moins classique, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que la marque japonaise Pioneer DJ est souvent critiquée pour rester dans des schémas très classiques, hein. C'est souvent ce qui est reproché sur les types CDJ où les fonctions diffèrent très peu d'un modèle précédent. Là, on a voulu casser les codes. D'accord? Donc évidemment, c'est un peu clivant, on le voit sur les réseaux, des gens qui trouvent ça moche, d'autres qui trouvent ça très joli. Mais C'est les goûts et les couleurs. si je peux me permettre sur la vue de trois quarts, quand même, le produit est sublimé. Hein. Franchement, on a ce côté très joli. On va demander un petit peu. Voilà, moi je trouve ça magnifique. C'est ce que tu disais. Luxe, élégant, hôtel. On voit tout de suite ça Voilà, dans c'est. la partie rooftop ou bar d'un hôtel ou un mariage haut de gamme. Exactement, ça fait partie de la partie design générale. Et donc, justement, dans cette optique, on a ce design un petit peu futuriste avec cet aspect d'aile d'avion devant. Donc, ça, c'est vraiment très novateur. Alors, ça peut choquer, évidemment, on n'a pas le côté classique. Mais c'est ce qui fait que voilà, l'esthétique du produit est bien spécifique, bien positionnée sur un marché qui va être élégant. Il y a des parties prises. Contrairement à d'habitude, où des fois on fait beaucoup de compromis, on enlève certaines fonctions, enfin on ne met pas certaines nouvelles fonctions pour éviter de dérouter les gens. Là, il y a certains compromis, donc justement, on va essayer de les détailler ensemble. On va regarder tout ça. Il y a beaucoup de choses dans l'écran, beaucoup de choses sur chaque deck, etc. Mais on va y aller doucement, étape par étape, afin de vous donner le plus d'explications possible et puis d'expliquer un petit peu pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir toucher le produit rapidement. Alors le produit, évidemment, on va revenir sur la disponibilité. Il va être en quantité très limitée. Il arrive chez les revendeurs dans quelques jours. Donc quantité très limitée, malheureusement, comme tous nos produits à l'heure actuelle. Je réponds à des milliers de messages sur ces problèmes actuellement. Malheureusement, c'est la conjoncture. Je ne vais pas y revenir une énième fois. On va plutôt se concentrer sur l'Opus Quad aujourd'hui.
Et donc, du coup... Tu parlais de l'inclinaison 5%. On parlait de l'inclinaison 5% et on va rentrer dans cet aspect design. Donc, l'inclinaison 5%, effectivement, le produit, qu'on le voit bien, il est vraiment incliné. Il n'y a pas que l'écran qui est incliné, c'est vraiment le produit qui est incliné un petit peu. On se demande à quoi ça sert. Quand je mixe, je vois beaucoup de DJ qui ont la tête dans le guidon, ce que j'appelle la tête dans le guidon, qui ne regardent pas le public. Et ben, là, bizarrement, avec cette inclinaison, et ben, en regardant ses playlists dans l'écran, et ben, on a une vue d'ensemble sur le dance floor. Donc, c'est assez nouveau. Et franchement, ça peut paraître un peu bizarre, cette console, un petit peu, mais comme les grosses consoles de mixage, mais c'est très agréable. Ça fait très futuriste. Voilà. On a un magnifique écran. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'écran ? Le premier feeling, on parlait tout à l'heure, notre premier feeling quand on l'a ouvert et qu'on l'a regardé pour la première fois, on dirait qu'il manque des boutons. Ouais. Et ça, quand on est habitué, enfin, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes habitués à utiliser nos produits, CDJ, DJ, MXDJ, et à première vue, on se dit, mais c'est un prototype, il manque des boutons, Pioneer, ils ont enlevé des trucs. Les signalétiques, tout ce qui est signalétique. Et en fait, ce qui génère cette impression, c'est les signalétiques, notamment sur toute la partie mixeur, qui est vraiment simplifié à l'extrême, mais également des boutons. Vous voyez, il n'y a pas de pads, ils sont remplacés par des OQ qu'on voit très bien au-dessus de chaque deck, donc type CDJ 3000. Il y a des boutons qui ont été enlevés et remplacés par d'autres, ou même pas du tout remplacés. On voit qu'il y a beaucoup de choses dans l'écran, notamment. Mais donc ça, c'est volontaire, cet aspect esthétique très pur, très épuré, pour avoir uniquement des fonctions utiles, à portée de main. À portée de main, voilà. Et tout ce qui est, on va dire, secondaire, qui ont été placés dans un très beau écran tactile, de façon à créer quelque chose de très épuré et très lisible, contrairement aux autres produits qu'on a dans la marque, qui peuvent être des fois un peu chargés. Exactement. Voilà. Alors, juste avant qu'on rentre dans ma partie explication générale, je vais faire un petit tour des questions. Oui. Et on va commencer déjà à décrire la taille de l'écran, etc. Petite question. Alors, on a une petite question. De qui ? Comment il s'appelle ? Alors, de Joe et de Brian, qui ont à peu près la même question. Où se place l'Opus Quad dans la gamme Pioneer DJ ? Et est-ce qu'il va y avoir un XZ2 ? Alors, ce qui est très, très important pour les gens qui connaissent notre gamme de produits un peu par cœur, le XDJ XZ, donc, qui est un autonome 4 voix, mais avec seulement 2 voix en clé USB autonome réellement. Donc le XDJ XZ est en dessous, entre guillemets, dans la gamme par rapport à l'Opus Quad, mais l'Opus Quad ne le remplace pas. C'est-à-dire que le XDJ XZ n'est pas remplacé, il est toujours au catalogue. Il est toujours disponible, alors certes en quantité lui aussi limitée, mais ça arrive de plus en plus. Donc du coup, il est toujours disponible au prix de 2499€. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un XZ, de précommander comme d'habitude. Et l'Opus Quad se positionne au-dessus, aux alentours de 3299€. Ça, vous avez vu le prix s'affiche et il sera en commentaire si vous avez besoin de détails. Donc ça ne remplace pas le XZ, et pour répondre à la question, il y aura sûrement un jour un XZ2, mais ce n'est pas l'objet de la présentation du jour, et de toute façon ce n'est pas dans un avenir proche. Allons-y dans le tour général du client que nous avons aujourd'hui. Vas-y, commence et je te suis juste après. Donc voilà, vu du dessus, très bien. On a un très grand écran 10 pouces qui est électrostatique. Et c'est le seul produit autonome avec des gros jogs, 4 voies. Quand on dit 4 voies autonomes, à contrario du XZ, c'est qu'avec une seule clé USB, on peut avoir 4 sons sur chaque tranche. Enfin, un son sur chaque tranche, d'accord ? Donc vraiment 4 voies. Tu parlais des gros jugs. On a ici des jugs bien connus du CDJ 2000 Nexus 2. Alors voilà, donc ce qui change, c'est la corolle. Donc vous voyez ici, la corolle, c'est la forme du jug ici. On trouve des petites vagues qui sont assez agréables au toucher. Alors en photo, ça rend différent, pas forcément joli, entre guillemets, parce qu'il y a cet aspect mat qui vient de notre gamme Flex 4, etc. Pour changer un petit peu, mais c'est très agréable au toucher, c'est assez doux. Et au niveau toucher mécanique, c'est très dur à voir en vidéo, excusez-nous, mais au niveau du toucher mécanique, on est sur du CDJ 2000 Nexus 2. D'accord ? Donc on a la même taille de jog, le même toucher, on peut régler la dureté, etc. Donc ça, tout, si vous êtes habitué à utiliser nos produits, vous n'êtes vraiment pas du tout perdu. Pour tous les DJ exigeants qui ont l'habitude d'utiliser nos produits depuis des années, c'est le produit parfait pour un tout en un. Non, c'est vraiment très adapté. Au-dessus, nous avons... Alors, vas-y, enchaîne. Des super hot cue façon CDJ 3000. Ça, c'est une première pour un tout en un, d'avoir, de ne pas avoir de pad et d'avoir des hot cue traditionnels. Voilà, au niveau design, il n'y a pas cet aspect pad qui fait un petit peu, on va dire, contrôleur et qui peut être parfois inutile pour certaines prestations ou certains types de DJ. On va
Attention, le produit étant un petit peu différent, son positionnement est différent, il ne va pas convenir forcément à toutes les utilisations. Et donc du coup, il n'y a plus ces aspects pad avec des choses compliquées, etc. On a des hot cues exactement comme les CG3000. Donc on a une ergonomie déjà qui est très similaire à ce qu'on peut retrouver sur des produits historiques. Voilà, de type, voilà, si vous avez commencé avec des CDJ1000, MK1, MK2, on retrouve très bien cette ergonomie. Donc certes, il y a des boutons un petit peu en plus comme une CDJ3000. Et on voit qu'on a un écran aussi au-dessus. Donc là, là tu parles de l'écran, on parlait des audio, on parlait du jog. Je pense que la cassure entre quelqu'un qui vient de l'univers CDJ, entre ça et le XZ, et ça et l'Opus, c'est moins cassant d'aller sur l'Opus. Oui. Parce que les pads, c'est quand même très déroutant d'avoir les audio ici, hein, on est d'accord. C'est ça, pour la partie deck, voilà. Les gens qui connaissent le produit depuis très longtemps. Hein. Les gens qui jouent beaucoup, ils vont très vite retrouver leur repère sur cet aspect CDJ. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Après, il y a des choses qui vont différer, où là, justement, on a fait des expérimentations au niveau ergonomie et à grâce ou à cause de l'écran 10 pouces. Mais ça, on va essayer, justement, vous détailler. Mais avant qu'on rentre dans les détails techniques purs, on va passer en revue toutes les fonctions. On va passer en revue les fonctions générales qui sont quand même très importantes. Alors, donc, je vous ai parlé de grand écran, gros jog, autonome 4 voix. On a également la possibilité sur les voies 3 et 4 d'envoyer une source Bluetooth, d'accord, donc un téléphone exactement comme sur une DJM A9, hein, on peut envoyer une source Bluetooth donc sur la voie 3 ou la voie 4. Et sur la voie 3 ou 4, on peut également rentrer une voie Line, donc un lecteur CD classique, une voie phono, donc un vinyle. Utiliser la voie numéro 3 avec la clé USB. Avec la clé USB, évidemment. Donc tout ça pour régler, pour sélectionner la voie, ça se fait dans l'écran tactile. Il n'y a plus de petits, de petits sélecteurs au-dessus du gain. Moi, je vais faire un petit zoom. On rappelle quand même que c'est donc une fonction qu'on n'utilisait pas, le changement ne va pas très souvent, c'est pour ça que ça a été mis dans l'écran. C'est pour ça que ça a été mis dans l'écran. Donc je vais vous montrer directement. On clique ici. Vous avez un petit peu de reflet, on est désolé. C'est très difficile d'avoir tout en même temps. Voilà. Donc là, vous voyez, sur le deck 3 ou le deck 4, on peut avoir ses choix. Et justement, on va revenir pour vous expliquer ses choix. On a aussi le crossfader assign qui se trouve. A sous B, c'est pour assigner le crossfader sur les voies ou pas. Chose qu'on avait également en bouton physique sur des DJM historiquement. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Donc. Vous avez vu qu'on pouvait sélectionner. Alors, au niveau des nouvelles fonctions, on a la possibilité de connecter le produit en Wi-Fi. Mm-hmm. Donc ça, à terme, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore disponible, mais à terme, sans ordinateur, on pourra se connecter à des services de streaming de type Tidal, SoundCloud, Beatport, etc. Vous connecterez votre compte et sans ordinateur, vous allez pouvoir récupérer vos playlists, tout votre travail sur ces services de streaming directement dans le produit sans ordinateur. Alors, évidemment, il faut une connexion Internet, Wi-Fi dans la zone. Et en parlant de zone. Oh là là, la transition. Alors, effectivement, donc je vous ai dit, Wi-Fi, autre fonction unique à ce produit. Et c'est une des premières fois qu'on a ça chez Pioneer DJ. Parce que c'est en rapport encore à l'esthétisme du produit qui est destiné à des hôtels, etc. Et donc là, la fonction zone. Donc on a ici, donc vous allez voir sur la vidéo dessus, on a un petit bouton zone ici qui est une sorte de deuxième master. Mmh. Okay, donc c'est deux sorties XLR derrière, on verra tout à l'heure dans les connectiques. Ouais. Mais donc c'est une sortie zone dans laquelle on peut envoyer soit le master général, donc si vous voulez sonoriser par exemple la terrasse de votre club, donc vous avez la zone club et la terrasse, donc vous envoyez le master aux deux endroits, mais vous pouvez régler indépendamment le volume. Donc typiquement, arrivé 22h, on vous demande de baisser le son sur la terrasse, vous baissez le son de la zone extérieure sans toucher et sans impacter les gens qui dansent dans votre club. Donc ça, premier point. Ou par exemple dans un mariage avec le vin d'honneur, par exemple. On peut sonoriser le vin d'honneur un peu plus loin avec la zone et régler le master indépendamment. Donc une tranche sera dédiée pour l'animation sur cette partie zone, soit envoyer le master, comme je l'ai dit, soit envoyer la piste 3 ou la piste 4, afin d'avoir par exemple un prémix ou quelque chose plus lounge dans une autre pièce ou pendant. On peut avoir tout très bien aussi la salle de restaurant et le dance floor du club. Et on sonorise les deux avec le même produit. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc c'est plus destiné aux installateurs cette fonction, mais c'est quand même très très pratique en prestation. Très bien. Après, tout à l'heure, tu disais que ça venait pas concurrencer le XDJ XZ. On est d'accord. On a quand même quelque chose qui nous saute aux yeux, parce qu'il y a tellement de fonctions, on parle, mais on oublie quand même les choses qui nous sautent aux yeux. C'est ces trois magnifiques écrans. Exactement. Donc ça, c'est bien différent par rapport au XZ.
C'est-à-dire qu'on va avoir donc, un écran principal. D'ailleurs, je vais charger quelques morceaux pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la vue des waveforms, parce que pendant qu'on discute, le temps passe et vous allez vous demander comment on fait pour afficher 4 waveforms, etc. Je sens vos questions, je les sens. Donc vous voyez le bel écran, les waveforms. Hein, vous avez l'impression qu'il y a une trace sur notre écran. Ne vous inquiétez pas, c'est un reflet de la caméra. Le bras magique. Tout va bien. Alors je ne sais pas si ça se rend compte en plus d'ailleurs sur les réseaux, mais en tout cas, nous on le voit dans notre tour ici. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, vous voyez les waveforms ici. Donc on a cet écran principal et deux écrans sur chaque côté. Donc vous voyez ici la pochette du disque. Alors j'ai chargé un morceau ici avec une pochette. Oui. Laissez-moi le temps de retrouver ce bien magnifique sûr. Bob Sinclair. La dernière version qui va s'afficher. Donc vous voyez un micro délai. Voilà. Elle s'affiche ici. Donc là, c'est normal que vous voyez un petit peu de trouble. C'est parce que c'est assez lumineux. Et on voit que la pochette s'affiche ici et non au centre. Voilà. Et encore ça, c'est voulu. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a préféré avoir. Je te coupe dans l'élan, mais j'ai pas de choses à dire. Ouais. On est sur des réflexes de DJ qui connaissent bien nos produits. Donc, on a un centre qui ressemble vraiment au CDJ 1000, CDJ 1000 MK2, etc. jusqu'au CDJ 2000 Nexus 2, mais avec l'information dans l'écran. Donc, on est vraiment sur les habitudes de notre marque qui seront vraiment. Qui accueilleront bien ce produit. Exactement. Et on voit aussi qu'au niveau ergonomie, finalement, avoir des informations dans le jog, c'était pas forcément très pertinent. Non. D'accord. Et du coup, on a les informations principales dans le jog, c'est-à-dire des informations. La tête de lecture pour scratcher ou pour savoir si on touche. Vous voyez, quand je touche le jog, ça affiche ma pression. Mais par contre, on peut regarder l'écran et ça, c'est très pratique. Alors, je sais pas si on voit sur la vidéo, on voit pas les deux en même temps, on voit pas ma tête et le produit, mais. On voit très très facilement l'écran, on n'a pas la main qui gêne la visibilité. Donc ça c'est vraiment, au niveau ergonomie, tout a été vraiment pensé, chaque petit détail. Et donc vous verrez quand vous aurez l'occasion de le tester chez un de nos vendeurs, vous verrez qu'il y a plein de petits détails qui rendent le produit très sympa et très très agréable à l'utilisation. Dans ce produit, nous avons un nouveau bit FX et un nouveau façon de gérer ces bit FX qui est le Touch FX. Le Touch FX, donc. On va le voir sur la vidéo. On passe en revue, on regardera bien en détail tout à l'heure. On va vous le détailler en revue. Donc on a. Peut-être faire un petit close-up vite fait quand même. Ouais, c'est bien, vas-y. On peut. Donc ici, on va avoir. Alors, je vais mettre un tout petit peu de son. On va mettre un petit peu de son sur un son pas très connu pour que vous ayez. On va essayer d'éviter les problèmes de réseaux sociaux. Alors attendez, je vais afficher d'abord les waveforms. Donc on voit ici le morceau qui défile. Donc je scratch ici, ok. Et on va taper sur BitFX. Et là, on va avoir un pad XY. Donc très très sympa, donc là j'ai l'arrivée, on va mettre l'écho. Donc c'est un écho filtré. Tu peux gérer le passo ou le passe-bas. Passe-bas, ouais, sur le avec le temps. L'axe temps X ou Y plutôt, ouais, voilà. et l'axe X, le timing qu'on voit au-dessus. Voilà. Exactement, quand je relâche, ça ne joue plus. Voilà, je vais couper doucement le son pour éviter. Mais tu peux gérer, bien sûr, avec le bouton. Et on peut gérer les effets de la façon classique. Et le timing avec le BitFX au-dessus. Voilà, donc là j'ai un effet 3 quarts. Arrêter d'aller faire un demi ou un trois quarts. Trois quarts de temps. Voilà, là j'ai enlevé l'écho. Ok. Ok. Donc on voit. Donc ça c'est une. C'est pas une exclusivité de produit parce que ce Touch FX on l'avait déjà. Sur le XDGRO, XDGR1, mais en tactile avec l'application. Avec la DGM2000 également. Avec la DGM2000 aussi également, effectivement. Voilà, on pouvait gérer certains effets. Et on a récemment sur la DGM S11. Et donc, je remets les waveforms pour vous, c'est beaucoup plus agréable. Sur la DGM S11, on peut également gérer quelques effets dans le tactile comme ça. Donc ça, on y reviendra en détail tout à l'heure. Nouveauté aussi, rotary, loop. Exactement. Ouais. Donc on a, vous le voyez ici et ici, on a des boutons rotatifs pour gérer les loops. Mmh. Donc ça, on le verra en détail sur la deck tout à l'heure. Pour pouvoir créer une boucle, l'agrandir. Et en sortir. Et la sortir. Et pour la déplacer aussi. Pour la on a la même idée en même temps, mais on a fait le test tout à l'heure, on peut la déplacer un peu comme un logiciel concurrent, donc ça c'est très pratique. Avec le beat jump, non ? Avec le beat jump, avec le bouton aussi. Okay. Mais le beat jump fait sauter la loupe. Voilà. On vous montrera ça tout à l'heure. Donc, juste avant rentrer dans les fonctions, on va vous faire quand même un petit état des lieux des connectiques, parce que les connectiques c'est quand même exactement important. Et pendant que tu vas expliquer toutes les connectiques qui vont s'afficher sur votre écran, voilà, tu vas faire regarder les questions. Les questions, pas mal ça. Allez, allons-y. Donc voilà, on intègre l'Opus Quad, donc vue de derrière. Donc nous avons complètement à gauche, donc parce que là je vais mettre l'écran à l'envers, donc complètement à gauche, nous avons
un port USB en connectique 3.0, donc les connectiques bleues, pour pouvoir connecter un disque dur ou une clé USB qui serait destiné à être connecté tout le temps, dans, par exemple dans un... Dans une régie d'hôtel, le DJ résident mettrait complètement son disque dur qui serait toujours connecté, tandis que les clés USB qui se trouvent sur le, qui se trouvent sur le dessus sont plutôt pour les DJ qui viennent mixer en mode éphémère, mais le petit disque dur qu'on pourrait connecter tout le temps derrière, voilà, il se connecte juste derrière. Juste à côté, nous avons une prise USB-C et à côté RJ45, c'est pour connecter les logiciels de mix, Recordbox ou Serato, puisque le produit est compatible Serato et Recordbox. Voilà. On l'a pas annoncé tout à l'heure, mais effectivement, le produit, si on ne souhaite pas l'utiliser en autonome, ce qui est dommage, mais oui, possible, on peut connecter un ordinateur avec Recordbox en mode performance ou avec Serato DJ Pro. Dans les deux cas, il n'y a aucune licence à payer. Les logiciels se débloquent dès le branchement. Attention, le Serato DJ Pro sera compatible qu'à partir de l'été 2023. Je n'ai pas encore les dates exactes. Mmh. Donc, si vous l'achetez demain, il n'est pas encore compatible directement avec Serato. Mais de toute façon, je vous conseille de l'utiliser en autonome, disque dur, clé USB, car vous allez le voir, la réactivité de l'écran, honnêtement, n'a quasiment... est très proche de la 3000, mais vraiment limite au-dessus. Ouais, limite au-dessus. On va revoir les connectiques pour continuer. Donc, tu as parlé de la partie performance avec la prise USB-C. Mm-hmm. On a le RJ45 pour la partie export, donc celle qu'on préconise pour ce genre de produit, en plus des clés USB. Donc on branche un RJ45, un ordinateur Mac ou PC, et on utilise Recordbox en mode export, en mode gratuit tout simplement. Et là, c'est tout l'Opus Quad qui va récupérer les Wave, les MP3 dans le produit, et c'est lui qui va fabriquer le son. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous préconise, c'est ce qui marche très bien sur le XDJ-XZ, le XDJ RX3, tous les XDJ, ça fonctionne, ainsi bien sûr que les CDJ 2000 voilà, jusqu'à CDJ 3000. Et on n'a pas besoin d'un ordinateur très cher. Et on n'a pas besoin avec un ordi à 700 euros. Exactement. Plutôt premier prix, on va dire basique. Vous n'avez pas besoin d'un ordi avec beaucoup de RAM. Voilà. Parce que le CPU ne travaille pas. Quoi. Voilà, exactement. On se rapproche un peu du centre de l'Opus Quad. Donc au niveau connectique, nous avons un Master 2 sous connectique RCA. Voilà, donc pour connecter aux enceintes. La même chose mais en XLR, donc pour connectique plus professionnelle pour le master. Juste à côté, ce que disait tout à l'heure Mathieu, c'est la fonction zone qui est sous XLR également, pour aller se connecter pour vin d'honneur, ce qu'on disait pour un mariage, ou pour se connecter à une autre salle si vous êtes dans un hôtel ou un établissement privé. Juste au centre, là c'est vraiment pile-poil au centre, connectique jack 635 symétrique pour le retour cabine, puisqu'il y a effectivement un retour cabine. Un boost, plus un boost monitor, effectivement. Boost monitor. Juste à côté, la masse pour pouvoir connecter la ou les platines vinyles. Et bien sûr, les entrées de ces platines vinyles ou ces entrées pour la line. C'est-à-dire qu'on branche soit de la line ou soit du phono, en sachant que nous avons. On peut mettre soit de phono en 3 ou en 4 ou en line 3 ou 4. Ou 4, voilà. Exactement. Juste à côté, micro 1 sous combo jack 635 XLR. On verra qu'il y a un micro 2, et ça c'est la petite surprise. Voilà. On expliquera pourquoi il y a un micro 2 et où il est connecté. Et après, complètement à droite, le bouton power et la prise Chuco pour l'alimentation. L'alimentation, exactement. Alors on va revenir sur la vue du dessus pour vous parler des micros. Donc nous avons ici... Alors attendez, j'attends que nous récupérons. Voilà, parfait. Ouais, super. On a la vue du dessus ici avec un micro, le micro 1, donc il y a une triple égalisation. Alors faire plaisir, parce que alors là c'est quelque chose qu'on nous demande quand même très souvent, la triple égalisation, on vous le prouve, il y a bien basse, donc contrairement médium, à la DJM-A9, on voit que ce produit est fait pour de la prestation, pour des événements privés, pour de l'événementiel, donc on a un micro 1 avec une triple égalisation, possibilité de mettre un talk over avec un bouton. Et on va vous faire un petit zoom. On va essayer d'avoir ça pour que ce soit visuellement, même si c'est un peu dans l'ombre. Alors, micro 2. On va voir le micro 2. Le micro 2 qui est devant. Voilà. On le voit ici. Très bien. Magnifique. On a un combo, un jack combo 635 ici devant, avec la possibilité de mettre auto cover, le gain et la triple égalisation. Donc, tout ça devant le produit. Ah oui. D'accord. Donc, ça, il y a des avantages et des inconvénients. C'est évidemment positionné devant. Mais il y a sûrement une raison. Ouais. Donc ça, tu vas nous expliquer ça un petit peu, Hugo, ouais, pendant que moi, je vais préparer la suite des questions. Je vais poser mon petit close-up et je vais expliquer pour moi, hein, parce qu'on a... On a un petit peu débattu sur cette position. On a un peu débattu sur cette position. Moi, je considère ce produit
qu'il se suffit à lui-même. Je sais que Mathieu n'aime pas trop cette phrase, mais je trouve qu'esthétiquement, il est fait pour s'intégrer dans une cabine et de ne pas y rajouter quelque chose en plus, de par sa forme complètement trapèze. Hein. Ouais, c'est un trapézoïdal. Voilà. Trapézoïdal. On peut y rajouter une platine vinyle ou d'autres line phono, il n'y a pas de problème, mais pour moi, il se suffit à lui-même. Pourquoi ? On peut jouer 4 decks avec une seule clé USB. Voilà, donc pas d'intérêt de connecter d'autres choses ou XJ à côté. On voit bien qu'il a une forme avec cette inclinaison de 5%, que les connectiques ne sont pas forcément très accessibles par derrière. Donc, je pense que le fait de mettre les connectiques devant, la connectique essentielle, c'est le micro, tout simplement. Donc, chose qu'on peut rajouter, on va dire, en temporairement. Voilà. En un clin d'œil. Donc, moi, le fait d'avoir une prise micro en façade, c'est voilà, la connectique la plus on va dire, utile à connecter rapidement, c'est une prise micro. Donc, voilà pourquoi je pense qu'ils l'ont mis devant, en se disant, voilà, on le connecte, c'est rapide, ça se fait, on n'a pas besoin d'aller triturer derrière. Parce que le produit, quand même, voilà, il est esthétique. On peut l'imaginer dans une cabine d'un hôtel où tout est bien moulé au produit. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, on voit déjà des CDJ comme ça. Donc c'est vraiment la cible. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de chaque deck. Petite question. On va prendre. Il y a beaucoup de questions. Bah, alors, merci à vous. On est quasiment 300 personnes en live. Donc ça fait vraiment plaisir. Mmh. Merci à toutes et à tous. Et je vais prendre quelques questions. Il y en a beaucoup. Donc je vais essayer de simplifier. Alors, on va citer, on va dire, c'est même plus un paquet là. Ah, c'est beaucoup de questions. Alors qui nous envoie une bonne question ? On nous demande s'il y a une égalisation sur le master. Donc, contrairement au XZ. Qui pose cette question ? Alors, DJ Zaz, pardon. DJ Zaz. Il demande s'il y a une égalisation sur le master. Donc, à ce jour, il n'y a pas d'égalisation sur le master. Peut-être que ça pourra se rajouter via mise à jour dans l'écran. Mais pour l'instant, pas d'égalisation sur le master. Ok, très bonne question. On nous demande si les 4 voix sont visibles sur l'écran. Donc ça, on va y répondre tout à l'heure quand on va parler de l'écran. Il y a beaucoup de transports. Attends, on va faire le tour. Il y a Jean-Marie et DJ Nico qui nous demandent comment le transporter. Il y a aussi Sylvain qui nous demande comment le transporter. Donc ça, il y a un flight case Pioneer DJ qui va arriver en juillet. Mm-hmm. D'accord. Alors, je n'ai pas le prix encore à ce jour. Mais n'hésitez pas à contacter votre vendeur. Il y aura un flight case spécifique qui va contenir l'Opus Quad. Alors ensuite, donc l'égalisation sur le master, j'ai répondu. Ludovic qui nous demande la qualité de la carte son. Donc c'est vrai que ça, on n'y a pas, on n'a pas détaillé ce point. Donc au niveau de la carte son, pour faire un comparatif, alors c'est toujours très difficile de comparer des cartes son, c'est souvent plus du blabla qu'autre chose. Mais là, on va dire qu'au niveau des composants qui sont à l'intérieur, on est au-dessus du XZ. D'accord. Donc de toute façon, souvent chez Pioneer DJ, le prix du produit révèle plus ou moins la qualité sonore. Donc vous avez un Opus Quad qui va être au-dessus du XZ, mais qui va être en dessous d'une DJM A9 par exemple. Quelqu'un qui posait des questions sur le micro, et si c'est pareil que la A9, qui c'est qui posait comme question Est-ce qu'on avait... Ah, c'est Gilles. Gilles qui nous dit, est-ce qu'on a des effets micro comme sur la A9? Non, on a des effets micro qui proviennent de la partie bit FX qu'on peut assigner au micro, comme un peu ce que fait Pioneer depuis des années. Voilà, comme toujours, on va dire, sur nos produits. Et ensuite, on a des questions un petit peu différentes. Est-il compatible Traktor ? Donc ça rejoint la question de tout à l'heure. Pour l'instant, je ne sais pas. À voir avec Traktor s'ils souhaitent ajouter ce produit à leur produit sous licence. Est-ce que l'Opus Quad est capable d'analyser les morceaux et les waveforms, les bitgrids, etc. tout seul ? C'est-à-dire, on met une clé USB à l'arrache comme ça et il analyse. Pour l'instant, non. Mais peut-être qu'à terme, ça peut arriver dans une mise à jour. En tout cas, au niveau puissance, il est capable. Après, reste à voir au niveau stratégie si on souhaite ajouter ce type de choses. Parce qu'après de mûres réflexions, vous pourrez faire un long débat sur ça. Mais j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Mais je le ferai avec vous quand on va se rencontrer en magasin. Eh oui. Parce qu'on va se voir en magasin très rapidement. On a plein de dates. On n'a pas que des dates à Paris. C'est vrai qu'on a fait un showcase à Paris la semaine dernière autour de la 9. On refait un showcase ce week-end un petit peu spécifique. Mais là, si vous avez envie de discuter avec nous, ce sera un événement vraiment différent où on va tous mixer chez Axel Perel. C'est pas son anniversaire, mais on va faire un truc de fou. Ouais, c'est tout comme. Et c'est tout comme. Donc ça va être samedi. Donc si vous avez envie de nous rencontrer, alors je dis nous parce que Hugo et moi nous serons présents, mais j'aurai également d'autres DJ français qui vont être sur place. Et donc du coup, n'hésitez pas à venir à la soirée. Alors non, c'est une soirée spéciale. Donc ce n'est pas une soirée Pioneer DJ, c'est pas une soirée de démo. Hein, voilà. Mais si vous avez envie d'échanger avec nous, à la cool, ce sera avec plaisir. Donc c'est ce samedi dans la très belle ville des Sables d'Olonne. Ah oui, Sables d'Olonne. Et donc je réponds toujours aux questions. Sébastien nous demande
Est-ce que le produit Opus Quad est compatible en DVS? Alors Sébastien, merci beaucoup de cette question, car effectivement, il faut le préciser. Et on a oublié de le dire. Nous ne l'avons pas dit encore. Oui. L'Opus Quad n'est pas compatible DVS. D'accord? A contrario, du XZ encore une fois. Toujours pour la même explication. Mmh. Alors là, il y a une partie technique, hein, c'est-à-dire que la carte son n'est pas capable d'avoir le double entrée-sortie nécessaire au DVS. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Tu disais, Antonin, que du coup, l'Opus Quad était vraiment fait pour être utilisé seul. Exactement. Et du coup, donc, rajouter un ordi, rajouter des vinyles, c'est un peu hors concept. Voilà, il est beau. Et le fait de rajouter une platine vinyle, des ordinateurs, des câbles, ça en fait moche. C'est un parti pris de la marque de faire quelque chose d'esthétique, de luxueux. Et voilà, donc c'est le choix des Japonais. Et vraiment, c'est un parti pris osé, mais respectable, hein, franchement. Donc le choix de mettre du DVS, non. Voilà. Voilà. Toujours dans les questions, un petit peu mélange entre l'ordinateur et le produit autonome, les gens nous parlent des STEM. Ouais. Donc les STEM, c'est une fonction spécifique Serato, qui va peut-être arriver bientôt sur Recordbox avec un futur produit, mais ça, vous verrez ça très rapidement. Et donc, du coup, la fonction STEM est très liée à Serato, donc il n'y a aucun bouton, aucune fonction spécifique dans le produit pour faire du STEM en autonome. Après, en fonction de votre logiciel, que ce soit Recordbox ou Serato, il y aura sûrement, je dis bien sûrement, car pour l'instant, je ne sais pas, il y aura peut-être des possibilités d'assigner en MIDI certaines touches pour simuler, comme avec un contrôleur, les STEM ou ce type de fonction très liée au logiciel. Mmh. Donc ça, on avait Greg qui demandait ça, on avait également... Garde un peu de questions pour tout à l'heure quand même. Ouais, on va garder des questions pour tout à l'heure, mais c'est bien avant qu'on rentre dans le détail de chaque deck. Jérémy, je vais répondre aussi à ta question après. Est-ce que le talkover est réglable? Alors le talkover n'est pas réglable, il est... C'est une très bonne question. Si, c'est réglable. Ah. Ouais, je l'ai vu. Il est réglable. Au niveau de la du nombre de puissance crossover, ouais, des niveaux du CBL. Tu peux gérer dans les fais pas, je vais juste le checker pendant que tu réponds à la question. Je fais le tour. Faut-il systématiquement. Et je pense que oui. Hein. Alors Christophe, je vais répondre et à Alexis également. Ouais. Donc Alexis nous parle réglable. Du poids. Alors oui, on peut régler le niveau du talkover. On va se faire un petit zoom dans les utilities du produit. Voilà, talkover mode, il est en advance, donc je vais faire un petit zoom out pour voir proprement, advance ou normal, et puis on peut se mettre en talkover level, attends, voilà, et là on est en moins 16 dB, ou gérer, on appelle ça le threshold, ouais, je crois que c'est ça. Le threshold, donc le niveau d'attaque du talkover, voilà. Vous me dites si je me trompe sur le threshold, j'ai un petit doute. Je suis pas un expert en studio, mais je pense que c'est ça. Mais c'est ça. Alors, c'est ça. Autre question de Christophe qui nous demande faut-il systématiquement être sur Recordbox pour utiliser l'Opus Quad? Donc, hormis de brancher un ordinateur avec un autre logiciel comme Serato quand c'est compatible, non, ce n'est pas obligatoire. Mais effectivement, si tu veux utiliser et avoir un produit efficace à 100%, il faut évidemment passer tes sons et tes clés dans Recordbox. C'est indispensable sur tous nos produits à ce jour, et évidemment, si tu mets une clé USB de base non analysée dans un produit comme ça, tu as ni waveform, ni tempo, ni OTQ, pochette qui s'affiche, bref, que dalle, autant jouer sur CD à l'ancienne. Donc évidemment, c'est dommage d'avoir un produit comme ça et d'être hors concept. Ouais. Après, si ça t'arrive de rencontrer ce type de produit lors de tes prestations, eh ben, prépare tes clés USB, tu peux brancher ton ordi en mode performance, tu peux travailler chez toi, tout est gratuit. D'accord, vous n'avez pas besoin d'avoir un produit pour avoir Recordbox et faire des essais chez vous. Donc ça, c'est important. Vous pouvez même vous entraîner à mixer sans produit. Ça marche. Et si vous avez un autre logiciel comme Serato, ça peut marcher aussi. Après, Virtual DJ, Traktor, ça on verra dans les futurs. Mais de toute façon, c'est eux qui décident si le produit est compatible avec leur logiciel. Donc c'est à voir avec eux directement. Allez, hop, on passe en revue la vue avec les... Alors, on va rentrer dans la vue de la deck. De la partie deck. Voilà. Excusez-moi, je reprends ma respiration et je réponds à la question du poids, car j'ai vu que j'ai eu cette question au moins 10 fois. Je réfléchis, mais d'abord, je reste sur mon timeline. Ouais. Alors, déjà, les 4 decks, comment charger des morceaux dans la platine 3, la platine 4, la platine 1, la platine 2, sans se tromper. Parce que le problème des contrôleurs qui, type DDJ1000 ou XDJ, RZX ou d'autres produits qui marchent sur 4 voies, c'est
comment ne pas se tromper de manipuler le jog sur la bonne voie. Est-ce que je scratch sur la voie 1 ou sur la voie 3? Donc là, on voit que l'Opus Squad a trouvé le moyen de ne pas vous tromper dans ses choix. Alors Mathieu, tu nous montres ça ou je le montre tout simplement? Vas-y, montre-le. Donc on voit sur la vue dessus qu'il y a une corolle bleue autour de la deck numéro 1. Idem autour de la deck numéro 2. Et quand on veut charger ou manipuler la deck numéro 3, donc celle qui est ici, on est d'accord, hein, parce que là pour l'instant visuellement je manipule la deck numéro 1. Si je veux manipuler la deck numéro 3, j'ai juste besoin d'appuyer ici sur deck 3. Et qu'est-ce qui se passe? On voit visuellement que la corolle devient rouge. Le bouton ici m'indique bien que je suis sur la numéro 3. Et mon bouton de chargement est également sur numéro 3. Donc là, en un clin d'œil, pour moi rouge, ça veut dire danger, entre guillemets. Donc ça veut dire que je manipule une voie qui, normalement, je n'utilise pas à 100%. Puisque naturellement, le DJ va utiliser la voie 1 et la voie 2. Donc c'est bleu, couleur rassurante. Mais là, on peut tout modifier. On peut tout modifier. Voilà. Parce que c'est mes codes couleurs. Là, voilà, là on a mis tes codes couleurs. Voilà. Mais on va voir ensemble que l'on peut modifier ces codes couleurs et on verra après si on peut afficher 4 waveforms ici ou pas. Voilà. Donc, et pourquoi? Parce que c'est quand même le principal avantage de ce produit, c'est les 4 platines. Donc on en parle. Quoi. Exactement. Visuellement, comment ne pas se tromper. Donc vous voyez ici, donc on va faire un petit zoom sur l'écran tranquillement. Vous voyez ici, alors vous avez ma petite caméra qui arrive, voilà. Et donc là, vous voyez que l'on peut choisir les couleurs de chaque deck. Donc on peut, là j'ai mis bleu et rouge, mais on peut très bien mettre la couleur ambre que vous avez sur la photo, voire même, alors je vais mettre une couleur vraiment différente. Déjà, mets un truc violet, que je fais un zoom out pour qu'on puisse voir. Voilà, voilà. Donc là, on voit ici le violet pour ma partie droite, le côté gold pour la partie gauche, mais tout ça c'est au choix. Voilà. Donc c'est vraiment suivant vos fonctions. Ça c'est pareil, c'est très nouveau pour Pioneer DJ. Ça peut faire sapin de Noël si c'est mal utilisé, mais en tout cas utilisé avec parcimonie et on va dire. Le but c'est quand même de mettre les deux. Voilà, d'être bien pratique. Ouais, voilà, deux codes couleurs pour chaque. Voilà, deux codes couleurs, c'est plutôt logique. Donc, on s'y retrouve et le but c'est d'être très efficace. Donc là c'était dans le petit bouton shortcut de réglage. Je vais quitter tranquillement. Voilà, donc on peut tout customiser. Voilà, je quitte. Voilà. Et donc, vous voyez sur l'écran toujours les deux waveforms que l'on contrôle. Alors ça, c'est très important. Je vais recharger un track pour que vous voyez la différence. Donc, on a plusieurs façons de charger les tracks, mais ça, vous le verrez au fur et à mesure. Donc là, on charge bien sur le bleu et le bleu des deux côtés. Donc, ça sera une ou la deux. Et là, vous voyez sur l'écran, il y a deux grosses waveforms et deux petites ici. OK ? Vous voyez, les grosses waveforms sont toujours les waveforms que l'on contrôle. Avec le gros jog. Avec le gros jog. Imaginons, je change de piste ici, vous voyez l'écran est vide. Disparaît parce que je n'ai pas de piste tout à fait. Sur la voie 4, excuse-moi, c'est parti dans mon truc. Et pareil sur la voie 3, vous voyez les couleurs changent, petites couleurs changent ici aussi et l'écran est noir parce que je n'ai pas chargé de track. Maintenant, on va charger des tracks, donc je retourne ici, je charge sur la voie 1, je retourne ici. Vous voyez aussi la rapidité, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc là, je suis dans l'affichage des waveforms. Donc vous voyez, la voie 3, alors il n'y a pas vraiment. On va essayer de le mettre un petit peu. On monte le son. On monte le son un petit peu. Voilà. Et vous voyez que la voie 3 ici, je vais un petit peu jumper. Voilà. Et donc vous entendez le son de la voie 3. Ok, on peut mettre un petit sweep. Très agréable. Voilà. Si on veut passer sur la voie 2, évidemment, la voie 1, évidemment, ça ne coupe pas la voie 3. Voilà. Mais je n'ai plus, vous voyez sur l'écran, je n'ai plus le contrôle de la voie rouge ici 3. Je peux revenir ici, on voit que des fils. Je reviens ici, on voit qu'elle pue et là on peut caler. Alors, je vais la synchroniser parce que je n'ai pas de retour son ici. Voilà, on peut amener l'autre piste et donc jouer comme ça avec 4 pistes très facilement. Et tout est vraiment pensé pour cette ergonomie. On revient dans l'écran ici, donc j'ai toujours, je vous dis bien, on ne peut pas avoir les 4 waveforms. Et ça c'est un parti pris. Mais c'est un parti pris, c'est voulu. C'est pour pas se tromper. C'est pour pas se tromper parce que c'est le problème comme disait tout à l'heure sur des DJMI notamment. On peut rapidement s'embrouiller. Très vite s'embrouiller. Voilà. Vous savez ce que c'est, on est en soirée, on peut avoir des gens qui nous dérangent, de la fumée, des lumières, de la fatigue. Il peut y avoir plusieurs DJ qui jouent en même temps. C'est parfois difficile de savoir, de se retrouver. Et c'est pour ça que le XJXZ, à l'époque où c'est sorti, gardait ce concept-là en disant, nous avons un tout en un qui a 4 voix. Nous contrôlons avec ce produit la 1 et la 2 avec les USB. Si vous voulez rajouter, vous pouvez en Pro DJ Link. Et comme ça, vous avez un jog par musique. Voilà. Et au moins, on ne se trompe pas. Là, l'Opus Squad arrive et propose cette nouvelle fonction de pouvoir mixer avec
quatre decks, et la seule façon que ça soit clair, c'est via ces lumières. Et je trouve ça juste fantastique. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Que nous n'avons pas quatre grosses waveforms comme beaucoup de personnes auraient voulu l'avoir. Nous restons sur les deux grosses waveforms que nous contrôlons. Mais en dessous, tu n'as pas expliqué. Voilà. Je précise. Là en dessous, on peut voir. C'est pareil, c'est un choix. Donc on va vous faire un petit zoom. On voit les quatre waveforms différentes. Donc on voit les quatre decks. Donc vous voyez ici les quatre decks. On a ici Outro Lugar, The Future, Fuck It Up et Real Love. Voilà. On voit les codes couleurs aussi qui sont respectés, hein, si je peux me permettre. Nous avons le petit bleu, rouge pour la 4, rouge pour la 3 et 1 pour la mais bleue. Mais si on souhaite afficher que deux decks, on peut, dans les raccourcis, mettre en deux decks. Et là, vous allez voir qu'on a deux grosses waveforms toujours. Et les decks en dessous qui sont beaucoup plus grosses avec plus d'infos. On voit notamment les infos de phase du morceau, etc., etc. Mais si je peux me permettre, c'est des infos que nous avons aussi sur les petits écrans qui sont ici. Oui, hein. tout à fait. C'est exactement les mêmes infos qu'on retrouve ici. Donc autant mettre la 4, quoi. On a une petite question de Joachim qui nous demande si les waveforms sur l'écran saccadent, car lui il trouve que ce sont XZ, ça saccade. Alors, peut-être que tu es plus sensible à la fréquence de rafraîchissement de l'écran. En tout cas, ça n'a rien à voir. Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau conception, il y a, je pense, presque 10 ans d'écart entre l'écran du XZ et l'écran de l'Opus Quad. Là, on est vraiment sur un écran très très réactif. On peut le voir en navigation ici. Ça n'a rien à voir avec tous les autres produits. C'est proche des CDJ 3000, même si on disait tout à l'heure, le trouve encore plus agréable que les CDJ 3000. On va le faire en close-up. Alors, on va le faire en close-up. Même la vue dessus, c'est bien. Ouais, la vue dessus, c'est bien parce qu'on voit que ça ne saccade pas du tout. Non, c'est fantastique. Et puis, vous allez voir quand on va vous détailler l'écran. Alors, c'est vrai que le temps passe. Ouais. Mais on va vous détailler l'écran tout à l'heure. On peut revenir sur la partie deck pour voir sur la partie deck. Donc, on voit mes deux decks ici. Voir les fonctionnalités. Et on va parler des boucles. Ouais. Donc justement, je vais te laisser faire un petit peu. Alors, tu veux qu'elle mette quel morceau peut-être pour les boucles ? Peu importe, hein, c'est pas mon petit, l'idée. Mon petit Bob. Allez, c'est parti. Mais tu mets la gâte, tu mets celle-là. Ouais, non, tu vas mettre la Bob. Mets ton Bob. Allez. On va peut-être pas se faire striker. Non. On va essayer d'éviter, sinon on l'appellera. Hein. Ouais. Donc, alors, côté platine, nous avons donc un bouton Q, bouton Play, le jog, pas de problème. Une fonction que tu adores. Alors, une fonction que j'adore, je vais couper le son pour qu'on puisse bien m'entendre. La fonction que j'adore, c'est le beat jump. Donc, c'est beat jump sous petit bouton, comme CDJ 3000. Encore une fois, tous les DJ qui ont l'habitude d'utiliser nos produits depuis des années seront friands de cette fonction. Le beat jump qui se trouve ici. On peut donc, avec la fonction shift, gérer la longueur de ce beat jump, le nombre de sauts. Donc on fait shift beat jump plus, là je fais on un voit saut dans l'écran, voilà. Vous voyez au-dessus, on voit très bien la vidéo au-dessus, on voit très bien au-dessus, voilà. Donc là je fais beat jump moins, ça change, hein, ici 8, 4, 2, bon, moi j'aime bien travailler en 16 temps, et donc le beat jump ça donne ça en rappel, hein. Donc là on avance intro. De 16 temps. C'est marrant, la musique s'appelle Outro Lugar, mais j'avance l'intro. C'est bien. T'aimes bien le genre de concept, hein ? Ouais, j'aime bien le genre de concept. Donc là, parfait, ça commence maintenant. Attends pas encore. Voilà, on avance un peu. On n'est plus habitué à des morceaux qui durent 8 minutes. Hein. C'est vrai. Bon, là, ça commence. Voilà. En sachant que sur le XDJ XZ, c'était dans les pads. Et il fallait switcher de fonction. On avait les 8 pads. Directement à 16 temps. Là, on a un bouton qui n'est dédié qu'à ça. Voilà. Juste au-dessus, les boutons boucle traditionnels, in et out, hein, pour faire une boucle, pas de problème. Et là, nous avons ce fameux Rotary Beat Loop, okay, qui est tout nouveau, qui me permet de créer une boucle automatique de 4 temps, ou même de la valeur que je veux. Donc là, je tourne le petit ici, bouton et ça change. Voilà. Jusqu'à 32. Donc là, je vais en faire une de 4 temps. 4 temps. Et là, si je veux réduire en deux temps, je décale mon Rotary vers la gauche. Et j'appuie sur le bouton pour sortir de la boucle. Voilà, okay. Donc ça, c'est hyper agréable à utiliser. Je peux également faire les boucles traditionnelles. Donc voilà, avec le in et out et réduire avec le bouton out adjust. Comme à l'époque. Et là, on remarque qu'au niveau sérigraphie, ce n'est pas écrit. Exactement. D'accord ? C'est-à-dire que toutes les fonctions
classiques depuis un DJ sont présentes, mm-hmm. mais elles ne sont pas forcément sérigraphiées. Donc ça fait partie aussi des petites choses mm-hmm. quand vous allez avoir votre produit chez vous, mm-hmm. un peu manipulé pour savoir si vous avez les mêmes fonctions. Voilà, ils rendent sobre un produit pour qu'il en soit élégant, en se disant, vous êtes client Pioneer DJ, vous connaissez notre produit. Exactement, gros. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive voilà. forcément qu'on vous infantilise voilà. sur chaque fonction. Alors, après. On a donc la partie audio, donc voilà. 8 audio comme vous dites tout à l'heure. Donc, ce qui est très pratique du petit écran au-dessus, mmh. c'est que comme sur la CD3000, on a les audio qui sont juste au niveau de ouais. l'écran. Donc, wow. c'est très pratique pour savoir où on est dans le morceau. On peut en créer avec le beat jump, par exemple. On peut en créer avec le beat jump. Voilà. On peut avoir des couleurs différentes, mais après, on peut avoir les couleurs traditionnelles des audio ouais, qui sont verts. Tu n'aimes pas mes couleurs. Moi, j'aime pas trop les couleurs full couleur. Hein. Ouais. On s'est un peu bataillé pour préparer ouais. la vidéo en disant est-ce qu'on met full couleur ou pas. Moi, j'aime bien pour avoir des trucs différents. Alors, on a violet, vert, mais on peut avoir. Tout ça se discute dans le paramètre. Voilà. Donc, tout va bien. Au-dessus, le track search. Donc, on peut chercher dans les playlists. Donc, vous allez voir, on peut afficher. Vas-y, affiche Rose. Attends, on va dans Vocal House. Voilà. Et là, vous allez voir que je défile. Attends. Voilà. Je défile mes tracks ici. Tac, 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 tac. Et donc, ils s'affichent ici. Je reviens. Alors, je reviens dans la playlist. C'est un démo opus. Hein. On revient sur Outro Loop. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle est ici. Et on voit que je défile ici. Voilà. Donc, mon track search. On peut appeler ou pas ces memory queue ou ces loops mémorisés. Via la fonction shift. Via la fonction shift. La touche ou le bouton qui n'y sont pas. Et on avait discuté. On a mm-hmm. pas mal discuté d'ailleurs, ceux qui ont déjà des questions. Pour avancer dans le morceau. Il n'y a plus la touche search qui était historiquement pour avancer dans le CD, sur les CD-J1000. Donc là, on les a, cette fois, en appuyant sur le bouton Shift mm-hmm. et en tournant le jog exactement. Alors ça, vous devez l'avoir en son, je vais le couper. Ouais. Exactement comme si on appuyait sur le search habituel. Mm-hmm. Donc ça, c'est pratique et ça évite encore des boutons. Donc il y a encore mm-hmm. du gain de boutons. Et aussi, on voit que le bouton track search a été mis en haut puisque on remarque au fil des années, que les gens ne cherchent plus leurs morceaux comme à l'époque avec des CD, mmh. mais plus avec la molette. Exactement. Donc, on a mis le bouton Track Search au-dessus en disant il existe toujours, on vous permet de pouvoir faire, de charger votre track de manière en mode CD, donc les uns à la suite des autres, si on avait créé une routine, voilà. mais il a un peu mis de côté. Parce qu'on voilà, a compris que les gens les chargent. Voilà. Beaucoup moins utilisé. Juste à droite, nous avons la fonction vinyle, donc pour scratcher, où on peut la désélectionner pour avoir. Pour bender avec le dessus, bon ça c'est très classique. Le vinyl speed adjust, donc pour pouvoir démarrer le morceau tout doucement, voilà. Attends. Ah sauf que là, il s'arrête. Voilà, c'est que voilà. dans le browse, il aurait fallu shortcut. Donc on a évidemment le speed adjust. On a, attends, je vais mettre. On a le mode vinyle. Ah. On a la fonction synchro. Oui. Le choix du master deck ou pas. La synchronisation de la tonalité. Ouais. Comme sur CDJ 3000. Bon, le tempo, le master tempo, ça c'est classique. Bah, ça c'est quand même dire, c'est comme une fonction, faut pas. C'est là, c'est le premier. Alors tout c'est en vrai. C'est le premier produit autre que la CDJ 3000. Ouais. À proposer ça. À proposer le keysync en autonome, parce qu'évidemment ouais. avec le logiciel, ça se fait ouais. tout seul. Donc on peut. Ouais. On rappelle mais un peu ce que c'est rapidement. Ça c'est cool. Bah, pas forcément une démo, mais ouais. tu peux expliquer à quoi ça sert. Pendant que moi je réfléchis aux questions suivantes. Bah, par exemple, moi c'est vraiment dédié à de la musique. Moyennement connu ou peu connu, parce que la fonction keysync permet de synchroniser la clé de tonalité par rapport au morceau d'avant. Donc, si vous utilisez ça dans des musiques très vocales, ça va s'entendre. Si on peut mettre Rihanna et que Rihanna va se keysyncer au morceau d'avant, elle peut vite avoir une voix de canard ou une voix très grave. Donc, moi, je conseille de faire ça sur des musiques moyennement connues ou underground. Et là, vous allez pouvoir pas tricher, mais utiliser une fonction qui va vous permettre de mettre la même tonalité. Par rapport au morceau d'avant. C'est pas pareil que le beat sync, qui lui, le beat sync, va synchroniser le tempo. Donc là, on parle sur le key sync, de tonalité. Donc juste en dessous, après, nous avons le tempo range, qui s'appelle du coup maintenant tempo. Donc ils ont même enlevé des petits trucs. Voilà. Ouais. Donc on peut avoir le pitch qui est en plus ou moins 6%, plus ou moins 10%, plus ou moins 16%, plus ou moins 100%, qui s'appelle le wide. Donc ça, c'est des fonctions très classiques. Le master tempo pour garder la tonalité du morceau comme si on était à 0%. Le tempo reset, comme sur le XDJ XZ, qui était quand même une grande nouveauté d'avoir ce petit bouton. Il y a plein de personnes qui vont trouver ça un peu inutile, mais moi j'adore cette fonction pour deux choses. Ah, tu l'utilises souvent ça. Ouais.
Moi, j'aime bien, par exemple, pour des morceaux intouchables, ce que j'appelle intouchables, comme par exemple Opus d'Eric Prydz, que je joue de temps en temps. T'as dit non ? Ouais, c'est Opus. Marrant, Opus, ça, c'est un jeu de mots. Hein. Et ben, ce morceau qui est tellement intouchable, pour moi, je le joue à 0% et en pleine soirée, j'appuie sur Tempo Reset. Comme ça, je respecte de A à Z ce morceau, tel un opus. Très bien. Ok. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais en même temps de la présentation, oui. J'ai répondu à une question d'Alexis qui nous demandait comment fonctionnait l'affichage on-air. Donc, vous voyez, le on-air, c'est quand, historiquement, on ouvre le fader. Oui. Le jog d'une CDJ s'éclairait. Oui. D'accord, une CDJ 2000, 3000, ça s'éclairait en rouge. Oui. Ici, le on-air s'affiche sur l'écran. Vous voyez ici le petit carré ? Non, même pas besoin. Regarde, alors, on va faire un petit close-up. Hop, voilà, vous voyez, le on-air ici de la voix 1, je monte et je l'enlève. Oui, donc ça s'affiche le on-air. Forcément, okay. Parce que vu qu'on est déjà éclairé ici en bleu ou en voilà, rouge, ça peut être un peu déroutant. On garde la couleur et il nous demandait s'il y avait un affichage dans les 30 dernières secondes. Et vous voyez ici, sur l'affichage du dessus, que le jog clignote quand il reste moins de 30 secondes du morceau. Mmh. D'accord. Donc, bon, on a fini la partie On a fini la partie deck. Et donc, on va switcher sur la partie où il y a pas mal de modifications d'ergonomie. Donc, toute cette partie mixeur. Et puis, on rentrera dans l'écran, évidemment, très rapidement. Ouais. Alors, c'est plutôt la partie mixeur qu'on va voir rapidement et la partie écran qu'on va voir avec plus d'attention. Parce qu'il y a quand même un paquet de trucs à dire sur l'écran. Exactement. C'est la star. C'est la star. En plus que le produit mixe avec peut mixer 4 decks, l'écran est juste fabuleux. La navigation, voilà, en fait, l'interface est incroyable. Le GUI, comme on dit en anglais, est vraiment incroyable et tout est pensé. Alors, je dis incroyable, c'est pas forcément, ça fait très youtubeur, c'est incroyable. Bah, mais c'est presque au-dessus de la CDJ 3000. Mais voilà, c'est presque au-dessus de la CDJ 3000 et vous allez voir qu'il y a toutes les fonctions principales. Donc, d'abord le mixeur. Ouais. Je veux aller vite. Ouais, d'abord, ouais, c'est bon. Le mixeur. Ouais, le mixeur. Donc, vous avez ici 4 voix, évidemment, on ne va pas y revenir. La partie micro, la partie pré-écoute. La partie pré-écoute limitée à son maximum, mais avec toutes les habitudes classiques. Donc, on peut allumer le Q, donc la pré-écoute. Ici, on a au choix hein, sur les 4 voix. Vous gérez votre proportion entre le master et votre Q avec ce petit bouton, exactement comme sur une DJM. Si on n'a pas de retour en cabine, si voilà, on n'a pas, de retour cabine ou si on souhaite adapter le casque à son habitude. 6 effets dans son Color FX. 6 effets dans son Color FX, exactement ceux qui sont connus DJM 900 Nexus 2, DJM A9. Même fonctionnalité. Très agréable, fluidité. Fader très agréable. Donc, c'est pas les mêmes que la V10 ou la A9. Mais très, très agréable. Mais très agréable au toucher. Donc, on va être juste en dessous. Le crossfader aussi agréable. Après, ce n'est pas un MacBook Fader parce qu'une fois de plus, ce n'est pas un produit dédié au scratch. On a 4 voix avec une égalisation classique. On peut choisir si l'égalisation coupe, isole ou pas. Donc, ça, c'est dans les paramètres. Et on a évidemment le gain. Et vous avez vu que le choix des sélections des entrées était dans l'écran. Là, au niveau des petits boutons, on remarque quand même, j'aime bien la finition moi, des boutons façon DGM V10. Hein. Effectivement, c'est les mêmes boutons que la DGM V10 pour les sound colorifiques, donc ça c'est très agréable. Que ce soit DGM 900 Nexus 2 ou DGM A9, on est sur des boutons gros, en plastique. Et moi je trouve que le caoutchouc ça s'abîme un peu plus rapidement, mais sur le Soundcolor FX, tu vois, mais bizarrement je préfère avoir du caoutchouc. D'accord. Que la A9, elles sont gros, mais c'est plastique, ça tire pas mal dans la main, je trouve que c'est vraiment plus agréable comme ça moi. Voilà, ça c'est pareil, hein. Là, ça c'est les goûts, les couleurs. Les goûts de chacun de vos habitudes. Moi j'aime bien les gros boutons qu'on avait avant, j'avais même pas remarqué que c'était un peu différent. On fait tellement de choses que j'avais zappé ce point-là. Mais c'est vrai que c'est agréable au toucher, même si j'aime bien mon côté gros bouton. Mais au niveau design, encore une fois, c'est un choix. Au niveau design, c'est peut-être plus sobre, ce type d'affichage. Et on va rentrer. Ouais. Je tiens à préciser, on est toujours sur la partie des vue-mètres. On parle des vue-mètres un petit peu au niveau de la couleur. On va afficher le rouge, une seule vue de rouge. Hein. On a quand même un code couleur qui est le orange. Hein. Ouais. Là, je fais un petit peu du Apple style, hein, tu sais, dans les trucs un peu fins. Ouais. On voit que l'orange, il est présent autour du bouton on-off. On voit qu'il est présent autour des petits boutons. Un peu hors voilà, rose, là. Qu'il est autour du Rotary Bitloop, autour du sélection. Et surtout, on peut avoir une vue sur le côté, la vue de trois quarts au niveau. La vue de trois quarts du produit. On du voit produit, qu'il est sur le on voit qu'on a. Ça touche de pastel un peu. Voilà, donc c'est très très joli. Et donc après, la partie bit FX, Mathieu. Voilà, où là on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Il nous reste un quart d'heure ensemble. Alors, il y a eu beaucoup de questions, il y a sûrement des questions que je vais répondre, que nous allons répondre directement demain ou après-demain.
ou plus tard. Et la partie bitéfix qui va nous amener sur l'écran. Exactement. Donc là où il y a beaucoup de changements, donc vous allez voir sur la vue du dessus, la partie bitéfix. Donc on a la partie, FX et ce côté-là de la table de mixage. Donc on a le bouton du master, très important. Les vues maîtres du master général. Donc je voulais vous le montrer ici. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et ici, on a la partie changement. Donc, on sélectionne maintenant l'effet avec ce petit bouton rotatif infini. Et vous allez voir que l'effet s'affiche dans l'écran. On va vous faire un petit zoom pour vous montrer comment ça fonctionne. J'essaie de voir. Attends, on va imaginer que tu le tournes. Vas-y, tourne-le. Ouais, attention. Attends, on tourne. Deux secondes. Voilà. Tu le tournes, je fais une vue dessus. Voilà, je tourne ce bouton et vous voyez. Il a une liste. J'ai une liste infinie. Donc, mon bouton tourne à l'infini. Et j'ai ma liste d'effets que je peux sélectionner. Donc, par exemple, je mets mon effet. Alors, attendez, pour bien qu'on l'entende, je vais tout doucement. Et je vais être mon effet trans. OK, on voit que j'ai le temps ici. Donc, le temps, je le touche avec mon bouton ici, exactement comme sur une CDJ classique. Non, c'est bon. Une CDJ classique. Et on va envoyer mon FX sur la voie 4. Donc, je sélectionne la voie 4. Tactilement. Il n'y a plus de canal sélecteur. On choisit la voie de l'effet directement au tactile. Vous voyez ici, je peux choisir le master, évidemment. Ouais. J'envoie. Et ici, voilà, on voit que mon trans s'applique. Évidemment, autant. Il est quantisé parce que record box, etc. Et ici, je coupe. Voilà, un quart, un huitième, etc., etc. J'évite de vous casser les oreilles. Et effet que tu peux aussi manipuler quand on passera sur l'écran avec le... Le pad XY. Ok. Donc ça va, voilà pour la partie effet. Vous verrez, vous avez plein de vidéos qui vont détailler ces fonctions, mais vous avez vu les fonctions principales. Mais il faut rester sur la nôtre. Mais oui, faut rester sur la nôtre. Donc pour choisir les effets, c'est un petit glisser, un petit toucher comme ça dans le glisser. Pour sélectionner la voie d'effet. Donc voilà, ce qu'on a remarqué, c'est que voilà, l'écran, il est designé, donc le petit toucher, il se passe bien pour changer les... Voilà, si on appuie un gros bouton comme ça, bon, on a le choix qui s'affiche du crossfader, mais on peut appuyer ici et ça marche très bien. Un petit glisser, parce que là, si on appuie sur le dessus, ça nous donne le choix des voix. Le choix des voix ou le crossfader assigné. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est pour sélectionner pour l'effet. Ouais. Alors tant qu'on est dans l'effet, on a Kerma qui nous demande est-ce qu'on peut assigner les effets sur le micro. Donc oui, Kerma, c'est ici. Tu as la partie micro et tu peux choisir micro 1, micro 2 pour assigner l'effet. Micro 1 plus 2. Micro 1 plus 2 si on souhaite. Voilà, et donc il y a un feedback reducer aussi. Ouais, donc il y a un réducteur de Larsen. Ouais. Donc ça c'est très pratique. Tout à l'heure, il y a une personne qui nous a posé la question s'il y avait un Master EQ comme sur le XDJ-XZ. Il n'y en a pas, mais peut-être qu'il sera rajouté. Mais il y a le feedback reducer qui est aussi disponible sur le XZ. Ouais, donc ça c'est cool. Alors, la partie micro ici, voilà, beaucoup de choses dans le. Donc j'espère que j'ai répondu aux questions. À tes questions. J'espère que j'ai répondu aux questions. Est-ce qu'on est bien? On passe à la partie écran. Vous détaillez les effets qu'on peut banquer via des banques. Les effets. Donc on va toujours rester dans la partie effets. On va parler de ça et après moi je vais vous montrer la navigation générale dans l'écran et ce sera l'heure de se quitter parce qu'on aura quasiment tout fait. Mais on va y aller. On close y va up, dans l'écran. Là, on va faire que du close-up. Alors, on va faire quasiment que du close-up. Je vais donc, me charger. On est dans le browse. Naviguons dans le browse et on peut regarder la rapidité de navigation. Donc là, j'ai ma molette. Ok. Donc ça, c'est ma playlist que j'ai fait spécifiquement pour vous aujourd'hui. Donc vous voyez ça. Le nouveau bouton que tu as dans la main. Le bouton. Va en parler. Est quand même très très agréable. Donc c'est un nouveau bouton de joystick qui a plusieurs fonctions. Donc, on va tester la pré-écoute. Alors, non, je vais tester la pré-écoute d'abord. Regardez. Ah oui. Donc, on a comme sur une CJ3000, la pré-écoute ici au toucher. Ok, donc vous devez l'entendre sur le live un petit peu. J'espère que ce n'est pas trop fort, que je n'ai pas cassé les oreilles. Donc, ça, c'est censé, on est d'accord, sorti du casque. Hein. Voilà, ce que vous entendez là dans le live, c'est ce que vous entendez au casque. D'accord ? Et avec cette petite molette ici. Et il n'y a pas de bouton prévu Q-Link à sélectionner. Hein. C'est d'office. Voilà, c'est d'office dans votre casque. C'est de base dans votre casque. Et on peut appuyer sur la molette ici, tout au début. Donc à gauche, on entend le début du morceau. À droite, on entend directement le milieu du morceau. Donc c'est un nouveau jog. Un nouveau bouton rotatif. Quand on a un petit clic, on va tout en haut de la playlist. Et un deuxième clic tout en bas. Et on peut défiler de 10 en 10. Parce que là, tu donnes une playlist un peu courte. Ouais, une playlist un peu courte, mais c'est pas très grave. En vocal 17. Vous avez très bien compris. Donc voilà pour la pré-écoute, ça faisait partie des questions qu'on avait tout à l'heure. Mais donc, je vais charger un track. Je vais charger le track de notre amie Selena. Et c'est sur le track de Selena que nous allons faire des effets
Touch FX, c'est parti. Je vais prendre la caméra zoom et Antonin va envoyer de l'FX. Attention, on passe en FX. Et je vais prendre tranquillement la caméra et il va se préparer. Nous avons une conception, attention, une production. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tout Moroland. Ici, nous avons, on va les sélectionner. Voilà, là, on va sélectionner les effets ensemble, les effets du Touch FX. Donc là, je vais sélectionner, par exemple, un effet que j'adore qui s'appelle l'écho via la petite molette. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom out ici, là, toujours vers ce petit bouton là. Voilà, je tourne ce petit bouton pour sélectionner mes effets. On voit qu'il se change ici. Voilà, donc je vais prendre par exemple l'écho. C'est quelque chose qu'on peut faire avant de mixer, bien évidemment. Je vous montre un petit peu. Là, on le fait en mode live. Voilà, écho, je vais le sauver dans la banque numéro 1. Voilà, pour avoir des effets directs. Je vais prendre le ping-pong que j'adore, banque numéro 2, la spirale, banque numéro 3, et la reverb, banque numéro 4. Donc là, en un clin d'œil, je peux passer de l'écho au ping-pong, au reverb, etc. Alors, vas-y, fais voir ce que ça fait. Donc là, je prends l'écho en 3/4 de temps, on écoute, et je le déclenche à l'écran tactile. On écoute un peu plus fort. Attends, bouge pas. Ce serait mieux si je fais ça. Voilà. Donc on sélectionne la voix de l'effet, exactement comme tout à l'heure, via l'écran tactile. Ping-pong. Et là, on peut faire un ping-pong par exemple. Donc ça, ping-pong, vous entendez que si vous êtes au casque, pas sur un téléphone évidemment. Et là, on a le vocal. Magnifique. Reverb. Un peu de reverb. Reverb filtré, attention. Voilà, on va créer une tension. Bien évidemment, là je le fais avec le doigt, mais je peux le faire avec ce bouton-là, on est d'accord. Je fais un petit zoom out. Je peux gérer toujours mes effets avec ça. Hein. Oui. On écoute. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc voilà, on va couper un petit peu la montée. Donc là, c'est plutôt cool. Nous avons aussi, on profite de la vue dessus, c'est pour reposer un petit peu, parce que cette petite caméra ne pèse pas une plume. Hein. Une fonction hold pour pouvoir... Attends, avec l'écho, voilà. On a un bouton hold qui revient à ça en soi. Exactement. Voilà, le quantize des effets. Voilà, on peut quantiser ou pas l'effet, donc ça c'est le choix. Ne vous inquiétez pas pour la trace sur l'écran, tout va bien. Mais donc du coup, voilà pour la partie effet. Il nous reste encore quelques minutes ensemble et on va voir la partie écran. Je pense qu'on a fait le tour sur les effets. Il y a encore un autre truc. Il y a un truc que tu voulais préciser. Ah, évidemment, nous avons le smooth echo. Ah là là. On est en plein milieu des effets, t'allais l'oublier. Vous allez l'oublier. C'est quand même un truc mortel, ça, le smooth echo. Alors montre-nous comment ça fonctionne. Ah oui, non, je te laisse te montrer. Ah, ok. Tu m'envoies au feu comme ça. Donc ici, on a le smooth echo. Alors, donc ça existe déjà sur la DJM S7. Donc je vais appuyer longtemps sur Settings, attention. Voilà, qu'est-ce qui va se passer sur l'écran? Nous allons à un joli schéma pour entrer dans le utility du Smooth Echo. Ah, voilà, magnifique. Et donc là on voit une sorte de maquette du produit et on peut choisir d'allumer certaines zones sur lesquelles il va se passer un Smooth Echo. Donc là, on va le garder sur mes hot cue par exemple. Vous voyez, c'est ce qu'il y a ici. Je vais faire des hot cue au déclenchement sur le du morceau. Voilà, au déclenchement du hot cue, il va se passer ce Smooth Echo. Il pourrait se passer ce smooth echo dès que je fais un cue, dès que je fais un fader, un crossfader, etc. etc. Et c'est sur le fader plutôt. Tu veux essayer sur le fader? Ça sera mieux. Allez, on va essayer ici. Donc, alors, je vais lancer d'abord le morceau. Vous allez voir, quand je vais baisser voilà, mon fader. Alors, attends, ça ne marche pas. Deux secondes. Si, ça marche. Mais toi, plutôt. On revient sur le smooth echo, vite fait. Bouge pas. Mets-toi plutôt un demi. Voilà, pour qu'on entende plus l'écho, attention. Voilà, on refait un petit coup. On entend très légèrement. Donc le smooth echo est continuellement allumé. Ok. Donc ça c'est très radio, c'est un effet très radio, je l'enlève. Ou pour faire des sorties de mix. Hein. Exactement. Donc ça c'est très pratique. Donc petit effet ici smooth echo, je vous rappelle les settings. On peut le faire sur très difficile à entendre sur le live. Crossfader, on peut le faire sur le hot cue, sur le play pause, chain fader, et on peut gérer la distance, le nombre de répétitions et voilà, vous savez. Donc ça, je mets off et je l'éteins. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps, mais c'est une petite fonction très sympa. Et ça permet d'enchaîner différents styles, toujours dans un concept où il y a différentes zones à sonoriser, etc. etc.
Je vais faire un petit tour des questions avant que je rentre dans la navigation des écrans. Alors, est-ce que je peux rebondir sur une fonction? Tout à l'heure, tu as expliqué qu'on pouvait, dans la partie browse, pré-écouter rapidement. Donc, j'espère qu'en régie, je ne le sentirai pas trop fort. On écoute. Ça, on a montré tout à l'heure qu'on pouvait écouter rapidement des morceaux. Ouais, pas de problème. Je précise qu'on n'a pas de problème. Mais ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que donc on se met en waveform. Donc on voilà. Ça marche aussi ça. Voilà, et comme sur une CG3000, effectivement. Et le RX3, de mémoire, n'embarque pas cette fonction. Alors, il permet d'écouter dans le playlist, mais pas de tester, je crois. Et non, mais c'est ça. Dans le XDJ-RX3, on peut faire ça. On peut écouter. Pré-écouter sans charger le morceau. Voilà, sans charger le morceau. Mais on ne peut pas écouter l'avenir ou le futur d'un morceau qui joue. Exactement. On ne peut pas écouter l'avenir ou le passé du morceau qui est en train de jouer. Bon, faut imaginer que ce son-là fait danser les gens, mais que moi, au casque, je peux écouter en un clic le passé break, ou le futur du morceau. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il fallait rajouter aussi qui est très important. Il y a aussi, tout à l'heure, on parlait rapidement dans la partie de deck qu'il y avait un key sync. Il y a également un key shift, fantastique fonction qui se trouve sur le CDJ-3000. On va prendre par exemple… Toujours le même morceau. Voilà, là on a pris… On a fait une petite boucle de la voix. Je vais ici appuyer sur une petite flèche. Et nous avons key shift avec, qui vient d'apparaître avec un plus et un moins. On va lui mettre un petit écho. Et on voit que la tonalité monte. On dirait que c'est pérenne. Et c'est reparti. Voilà. Voilà. Axel Perel, bonjour. C'est une petite. Private, petite et on private. Se voit samedi. Mais il le fait très bien. Il le fait très bien. Donc voilà. Key Sync et Key Shift qui est aussi également disponible sur l'opus. Hein. Et comme son nom, l'opus est presque parfait. Quoi. Il n'y a pas grand chose à dire qu'il y a autre chose. Hein. C'est parfait. Quoi. Je vais prendre quelques questions avant qu'on se quitte. On a encore quasiment 200 personnes en direct, donc c'est vraiment cool. Ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ah, il y a un truc. Il y a encore un autre truc. Encore un autre truc. Un truc qu'il faut que tu montes parce que ça, c'est ta spécialité. Oui, évidemment. Je voulais finir sur ça. Oui, c'est sûr. Je réponds à une question avant. On nous demande si l'utilisation en extérieur, chaud-froid, comment il résiste. Alors, malheureusement, je n'ai pas du tout pu tester le produit en extérieur pour des raisons de confidentialité, évidemment. Donc, je ne peux pas te dire, mais comme tous nos produits, il peut travailler dans des conditions. Alors. Extrême, mais on fait quand même attention. Plus 60 degrés, moins 50, non. Hein, comme tout produit électronique. Gaffe CRS, c'est possible. Les gaffes CRS qu'on a. Ah, tu veux dire sous lacrymogène? Sous lacrymogène, on ne sait pas. Non, mais normalement, dans les conditions générales de produits électroniques, oui. Alors évidemment, après, dans le désert avec plein de sable, Burning Man, bon, ça peut être fragile, mais c'est comme tous les produits électroniques en général. Ouais. On rentre pas dans les détails des préférences, il y en a plein de sous-préférences. Alors voilà, il y a beaucoup de préférences. Mais ce qu'on voulait montrer, c'était. On va rentrer dans l'écran, donc j'ai encore une question sur la taille de l'écran. Donc c'est 10,1 pouces, c'est exactement comme un RX3 et une CG3000, mais ce n'est pas le même concept. Donc faites un retour dans le live où on vous explique la différence entre écran électrostatique. Du Lopus Quad et nos autres types d'écrans qui sont plutôt capacitifs, donc il y a une différence nette au toucher. J'ai oublié de montrer aussi qu'on pouvait recer hein, sur la clé USB et choisir. Alors, sur quelle clé USB on rec. Effectivement, ça on ne peut pas faire sur un XZ ou un RX3 ou un RR, on peut enregistrer son mix sur ces trois produits que je viens de citer, mais on peut enregistrer que sur l'USB numéro 2. Oui. Ici on peut choisir n'importe quel USB, voilà. Le 1, le 2 ou le 3. Le 3, c'est celle qui est un petit peu dessous là, qui est un peu plus rapide pour brancher un disque dur si vous avez des grosses bases de données. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la navigation dans l'écran. Avec le track filter, le clavier. Exactement. Donc, oui, c'est la star. Là, on voit l'ergonomie autour de l'écran. C'est pareil, ça a été très travaillé ça. On a une ergonomie de côté qui est plus d'affichage et de réglage. Donc on a waveform, c'est ce que vous voyez ici. Bitfix, on l'a vu tout à l'heure. Et shortcut, c'est des réglages d'affichage, des couleurs, les raccourcis. Okay. Et ici, on va gérer la musique. Donc en haut, la source, la musique, donc la clé. Ça peut être l'ordinateur, votre clé, etc. Donc une fois qu'elle est sélectionnée, ici vous voyez que ma clé est verte. Je vais faire browse et là je vais naviguer dans ma clé, d'accord. Donc ici je suis dans mes playlists, etc. Et vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Ici je vais aller dans la playlist qui s'appelle Stereo Park, c'est pour l'exemple, ok. Mais j'ai également un petit bouton playlist.
Et là, je vais être dans la playlist démo opus. Tout ça, c'est volontaire pour mon explication. Donc, vous voyez, il y a des choses en vert. C'est ce qu'on a joué lors de la démo. Vous avez la tonalité qui s'affiche, tout ça. On vous l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos. Mais je vous mettrai les liens si vous souhaitez. Et donc, comme sur une CJ3000, c'est le seul produit autonome qui fait ça. Il est beaucoup plus puissant au niveau processeur qu'un RX3 ou qu'un XZ. Ça n'a rien à voir. Donc, on a comme une CJ3000. C'est-à-dire que vous retournez dans Browse, on a la playlist Stereopark. Vous allez dans Playlist et j'ai ma playlist d'aujourd'hui. Et j'ai ma tag list aussi, bon, ça comme tous les autres produits. Mais donc, du coup, on n'est pas obligé de faire back comme sur une Dominix Nexus 2. On peut avoir une sorte de deux playlists ouvertes. Voilà, deux playlists ouvertes. Ça, c'est hyper pratique. En plus, donc ça, c'est commun au RX3. Vous avez des playlists banques. Donc, je peux choisir de banquer ma playlist Opus. Typiquement, je peux avoir. Alors, j'ai une démo qui s'appelle Démo XPRS, c'est nos enceintes. Donc, je vais la mettre dans le numéro 2 ici. Je reviens dans ma playlist Opus et très rapidement, ça peut être aussi la playlist du gâteau des mariés, voilà, etc., du vin d'honneur. Je clique ici et je passe directement à ma playlist des 2, favoris de banque. Des favoris de playlist. Ouais. Donc ça, c'est très pratique. C'était déjà présent sur le RX3, mais là, c'est présent en plus. Donc ça, c'est vraiment pratique, vraiment orienté, comme on disait tout à l'heure, à la prestation, à faciliter l'utilisation. Donc, je reviens dans ma playlist. Ouais, vocale 17, elle est bien celle-là pour faire des playlists. Voilà, il y en a beaucoup. Donc, on voit ma playlist vocale 2017. Et là, on a des petits icônes au-dessus. On va le montrer en zoom. Allez, on va le montrer en zoom. Dernier zoom de la journée. Ici, vous avez un petit filtre. Vous avez un entonnoir avec marqué Edit. Une loupe qui est la recherche. Et ici, le menu qui est juste l'affichage des fontes, de ce qui a été joué, etc. Donc, on va d'abord chercher un son. Ok, je clique. Et ici, on a un clavier magnifique, QWERTY. Alors, il peut être que QWERTY. Arrêtez de demander des AZERTY. Il n'y a que les Français qui demandent ça. Donc, au Japon, ça ne marche pas. La preuve au bout du compte qu'on n'a pas besoin d'ordinateur pour jouer avec des tout-en-un. Exactement. Donc là, par exemple, j'ai tapé UGEL parce que j'avais ça en tête. Et là, je vois tous les morceaux de la playlist avec de ma playlist ou de, non, de mon ordi, là, je pense. Enfin, de ma clé, pardon. Avec, oui, c'est ça, de toute ma clé. Je vois directement tous les UGEL dans ma clé, par exemple. Okay, je peux clearer ma recherche. Je veux un David Guetta. Ok, la rapidité, voilà, incroyable. À ce qu'on disait tout à l'heure, on demandait de la rapidité, ça va très 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 vite. C'est un truc de fou. Évidemment, j'ai une clé USB qui n'est pas pourrie, mais qui est ancienne pour les tests. Donc, vous voyez, ça marche très 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 bien. Et je reviens dans la partie playlist, ici. Et j'avais donc ma partie recherche. Alors ici, elle est en browse, ma partie recherche. Je quitte ma partie recherche. Et dans ma navigation vocale out, je peux faire un filter. Donc, j'appuie longtemps ici. Donc là, on est dans l'edit du track filter. Voilà, dans le track filter, j'édite, je peux choisir de filtrer par rapport au master deck, donc la tonalité, ok, et le tempo ou non. Donc là, le tempo ne m'intéresse pas, c'est plutôt la tonalité qui m'intéresse. Donc je quitte la partie edit. Et là, vous voyez, j'ai 76 tracks qui sont compatibles avec la track au master. C'est donc on a l'entonnoir, montre-nous l'entonnoir qui nous dit bien. Voilà, l'entonnoir est en bleu, c'est-à-dire que je l'ai activé. Ouais. Ici, j'ai 245 tracks. J'appuie sur Edit, j'en ai 76. On voit bien qu'elle a, voilà. Donc on voit bien les tonalités. Voilà. Tout est en vert à droite. Tout est vert à droite. Alors j'ai l'affichage de tonalité type musicien, c'est parce que c'est une vieille playlist. Ou parce que tu es un musicien. Ou parce que je suis un musicien. Et vous voyez que sur la playlist Opus, qui est des morceaux plus récents de ma clé, j'ai la tonalité de Camelot. Tu n'es plus devenu musicien. Là, je suis plus musicien. Voilà. Donc vas-y, fais-moi un filtre là, tout ça. Est-ce donc que ça là, a fonctionné? Attention. Et ben là, j'ai que 6 morceaux. Ah, voilà, et là, ça correspond bien 6A, 5A, 4A. Voilà, parfait. Voilà. Et on voit que c'est logique parce que c'est le Under My Feet qui est au master. Voilà. Le morceau de Selena qu'on a écouté tout à l'heure. Et ben, c'est fantastique. Et ben, je pense qu'on c'était a fait assez marathon. Hein. Il est 19h20. Je vais reprendre mes petites questions juste avant qu'on finisse. Peut-être, Hugo, tu nous fais un petit revue générale du produit pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Ouais. Rapidement, le prix, le poids. Le poids. Est-ce qu'on peut jouer 4 decks? On a cette fonction 1000 fois. Voilà, comme se dit, comme le nom, le produit l'indique, c'est un opus. C'est le produit parfait, le produit que tout le monde attendait. On peut jouer avec 4 sources audio, 4 decks sur 2 jogs, avec une seule clé USB. On peut enregistrer son mix dans n'importe quelle clé USB qu'on peut brancher sur le produit. On a un magnifique écran pour naviguer, pour faire des effets. Et on a 2 autres petits écrans qui nous affichent les informations utiles de chaque lecteur, la petite waveform, le temps, la grosseur des beat loops, la grandeur des beat loops, le saut des beat jumps. On a une fonction zone et pour alimenter une deuxième salle, par exemple. Pour sonoriser une deuxième salle. Nous avons
deux micros dont une triple égalisation sur les deux micros. Ça, c'est une, quelque chose qu'on voilà. nous a beaucoup demandé. Qui était voilà. On peut envoyer du Bluetooth sur la voie 3, sur la voie 4. Je réponds à une question. On peut envoyer du Bluetooth sur les quatre voies. Voilà. Ça n'a pas d'intérêt. On peut les envoyer sur la voie 3 et sur la voie 4. Voilà. J'ai répondu à cette question et on me demande le poids. Donc le, le Opus Quad, j'en viens à faire des erreurs techniques. L'Opus Quad pèse 13,2 kg. Et le XJXZ pèse 13 kg. Donc c'est très similaire. Alors évidemment, il faudra un flycase, ça peut vite devenir un cercueil. Mais on va avoir un flycase spécifique pour avoir l'Opus Quad, donc je l'ai dit en juillet. Mais il y aura peut-être des housses qui vont sortir d'autres fabricants. N'hésitez pas de demander à votre vendeur favori ce qu'il va avoir en stock. Sachant qu'à l'heure actuelle, ça ne rentre pas dans une housse de XZ. On a déjà testé. On a déjà testé. Ouais, c'est bon. Ceux qui m'ont vu tourner avec dans ma voiture, j'aurais bien aimé avoir une housse compatible, mais ça n'existe pas à l'heure actuelle. Donc, on se trimballe le carton, mais évidemment, je sais qu'en prestation, ce n'est pas du tout idéal. Bah, on a quand même bien fait le tour, là. Mais je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Encore, des questions, là. Merci à toutes et à tous. Je vais prendre quelques questions pendant qu'on dit merci. On a parlé du Bluetooth, je viens d'en parler. Le feedback reducer, Seb. Ah oui. Seb, bien vu. Tu n'as pas bien écouté. On en a parlé à l'instant. Donc voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. Ah si, la dernière question, est-ce qu'on peut brancher des CDJ ? Alors c'est Jérémy qui nous demande, est-ce qu'on peut utiliser des CDJ en Pro DJ Link sur la voie 3 et la voie 4 ? Ah bah, ouais, sacrée bonne question pour finir. Très bonne question pour finir. Donc non, ce n'est pas possible. Contrairement au XDJ XZ, le produit étant autonome sur les 4 voies avec une seule clé USB, il n'est pas nécessaire d'ajouter des CDJ pour juste avoir des jogs, entre guillemets. Donc, il a été choisi de ne pas mettre le Pro DJ Link dans ce produit. Donc, c'est pareil, si vous voulez brancher un DJS-1000, donc un sampler, ce n'est pas adapté parce que vous ne pouvez pas avoir la synchro. Donc, ça peut marcher au niveau sonore, mais vous n'avez pas la synchro. On en revient à notre explication au départ. Il y a des parties pris dans ce produit. Il n'est pas forcément fait pour tout le monde. De toute façon, on ne va pas se mentir, il n'y a pas rien à voir pour tout le monde. Donc, du coup, il y a des choix qui ont été faits techniquement. Et comme disait Antonin tout à l'heure, le produit est plus fait pour être utilisé seul. D'accord, c'est-à-dire qu'on va le mettre sur une belle table en bois, un beau boost DJ, et il va être tout seul. Ça ne va pas être la star de la soirée, mais justement, certains endroits vont vouloir masquer le produit au maximum. Avec, il n'y a pas de grosse régie, qui a un gros logo. Voilà, c'est très sobre, très luxe, très élégant. C'est le mot élégant qui revient le plus. Mais voilà. On peut quand même connecter une Platine Ville, un DJS-1000 si on veut, qu'en audio. On a les prix. On a la possibilité. On peut le faire. Mais on n'aura pas toutes les connectivités que va apporter un XJXZ, par exemple. Et au niveau design, il y a quelque chose de très régie, très, très joli, entre guillemets, mais beaucoup plus gros, beaucoup plus type festival club. Là, on est plus hôtel, prestations de luxe. Mariage haut de gamme. Voilà. Et avec une utilisation plutôt élégante, entre guillemets. Mais on retrouve ça. Enfin, c'est tout ce qu'on a expliqué durant cette heure et demie avec vous. Bah c'est parfait. Donc je pense qu'on a fait le tour. Bah merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On espère que la qualité de la réalisation n'a pas bugué cette fois, mais je pense qu'on est proche du top. Donc n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas, on est au Sable d'Olonne samedi. Samedi. Donc si vous voulez nous rencontrer, faites-moi un petit message sur Instagram et je vous donnerai tous les détails. Sable d'Olonne samedi, et puis on se retrouve pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer dans les événements qui sont déjà prévus. On va tourner, on va aller dans le sud-est, on va aller à Lyon, on va aller à Lille, on va aller à Lens, on va sûrement aller à Bordeaux. Voilà, on va aller un petit peu dans toute la France et vous allez pouvoir nous rencontrer, que ce soit Axel Perel, moi-même, Franck Porte, mon collègue qui nous regarde. Coucou Franck. On a aussi. Franck aussi. Et toi, qui j'ai dit ? J'ai dit Axel, moi. Antonin, moi. Toi, Franck, c'est pas mal. Ah oui. Tu parlais pour au Sable d'Olonne ou pour en tournée ? Alors, je parlais en tournée. En tournée. Parce qu'on a quand même au Sable d'Olonne, on retrouve mon équipe de festival avec Grey Scheme, David Avril, toi-même, Axel, Eng Perel, qui nous fait un plaisir. Il va nous jouer du vintage, je sens. Bref, on s'égare. Mais on se donne rendez-vous samedi pour ceux qui le souhaitent. Et on se dit à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre confiance dans les produits Pionnier DJ. N'hésitez pas à nous faire des messages sur Instagram et sur Facebook, et j'essaie d'y répondre dans la semaine. Allez, merci à toutes et à tous. Bye bye.